Yo YouTube, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau prank. Je pense que vous l'avez tous vu la dernière fois. Roro, enfin mon copain, m'avait fait croire qu'en gros il m'avait trompé en planquant un soutif qui n'était pas à moi dans son sac. Du coup, j'avais littéralement pété un plomb, je l'avais giflé, j'avais fouetté avec, bref. Sauf que là, j'ai trouvé un tout nouveau concept. Je vais en gros lui faire croire que j'ai découvert quelque chose dans sa veste, en gros des capotes et un lubrifiant, deux capotes, hein, parce que moi je fais pas les choses à moitié. Et en gros, je vais lui faire croire, pour qu'il y croit lui aussi, qu'en gros il m'a trompé, alors que c'est moi qui ai mis ses capotes dans sa veste. Juste, j'attends de voir sa réaction en imaginant qu'il me dévoile que c'est vrai qu'il m'a trompé. Là franchement je serais extrêmement mal. Mais et en même temps j'ai envie de voir sa réaction. Genre je pense qu'il va littéralement péter un câble parce qu'il va savoir qu'il a rien fait. Faut savoir aussi que j'ai planqué trois caméras. J'en ai planqué une autre dans la salle de bain, j'ai celle-ci et j'en ai une autre dans la chambre. En tout cas les gars, objectif 5000 pouces bleus, 5000 likes. Vous me défoncez ces likes, vous me défoncez l'espace commentaire en mettant le hashtag capote ou n'importe quoi, ce que vous voulez. En tout cas pour les nouveaux, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment hyper important. Je compte sur vous et je vous dis à tout de suite pour le prank. Peace. Miami, I see two bitches like poopin' those genau wie Locke der Boss. Rheinische Straße bis tief in die Nacht mit von Junkies, die schon rumgekocht. Kokain. Tu fais quoi? Viens là! Dépêche-toi! T'es où? Quoi, viens là? Viens là! Je suis à la salle de bain, dépêche-toi! J'arrive, attends deux secondes, je suis en train de regarder un truc. Bon, j'arrive, attends. Dépêche-toi! Ouais, j'arrive. Ce que c'est ça? De. Tu m'expliques ce que c'est ça? De quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Alors ça déjà c'est pas. C'est quoi? C'est une capote? Bah je sais pas, tu vois bien ce que c'est. Ça c'est. Ça c'est pas moi déjà. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai trouvé dans ta veste. Y'a ouais, pas que ça, y'a ça. Ouais. Et. T'es une usine à sexe? C'est quoi le. Non mais ça c'est pas moi ça. Je juge. Mais c'est pas ta veste, moi. Veste hein. Ouais mais veste, c'est pas hein. Moi. Attends, fais voir déjà, c'est ma veste. Déjà. Si si c'est ta veste. C'est ta veste. Pourquoi j'aurais ça dans arrête ma veste? Arrête de mentir! Arrête de mentir! Mais c'est pas question de mentir, c'est que ça c'est pas moi! Pourquoi j'aurais comment du lubrifiant dans ma veste? Je m'en bats les couilles de ça! Comment ça se fait que t'as ça? Ah vas-y arrête avec ces trucs crades aussi déjà d'une part, et en plus de ça, ça c'est pas à moi ça! Ouais d'accord, c'est. Non ça c'est pas à moi! Tu sais, c'est pas à toi! Ça c'est dans ta veste, pas à moi! Mais c'est pas à toi! Ça c'est pas à moi! Non d'accord, c'est pas à toi! Je te le dis, c'est pas à moi! C'est moi qui l'ai inventé ça! Bah de quoi c'est moi qui l'ai inventé? Je te dis, c'est peut-être dans ma veste, mais. Bah non mais elle est usagée! Elle est usagée! Mmh. Hein? Ouais, bah, c'est pas à moi. C'est normal? C'est, ça doit être quelqu'un. Non, mais est-ce que c'est normal en fait? Ça m'énerve. Pourquoi tu montres ça alors que tu sais très bien que c'est pas à moi? C'est pas à moi. Mais qu'est-ce que tu vois bien, c'est pas à moi. Arrête, Bob. Bah, tu l'as acheté exprès pour l'occasion, faut croire. Quoi? Faut tu l'as acheté exprès pour l'occasion, faut croire. De quoi? Pour quelle occasion? Ça, je l'ai pas inventé, mon petit gars. Ouais. Ça, c'était dans ta poche. Ouais, pour quelle occasion? Arrête. Franchement, commence pas parce que ça, c'est dégueulasse. Je te jure, tu me dégoûtes. C'est toi qui me dégoûte, pourquoi tu fais ça? Arrête! Pourquoi tu me balances des trucs comme ça là? Pourquoi tu me balances des capotes là comme ça? C'est toi qui l'as utilisé, t'assumes? Non, c'est pas moi qui l'ai utilisé. T'assumes. C'est dégueulasse. T'as un gros porc. Ah, laisse-moi me laver les mains. T'as un gros porc. Mais c'est dégueulasse, c'est pas possible. Mais c'est dégueulasse quand même. De quoi je suis un gros porc? Moi, de toute façon, je vais pas dire que c'est moi alors que je sais que c'est pas moi. Je sais pas ce que tu trames là, mais je te jure que c'est pas moi. Arrête un peu. Arrête. Franchement, arrête. Quoi? Non, t'es pas pour le arrête, arrête de me casser les couilles avec ça alors que c'est pas moi, wesh, putain. Ouais, donc c'est le pape, t'as des capotes usagées dans ta poche, mais c'est pas non, moi. Non, mais c'est pas question de capotes usagées, si c'est bon. Ouais, d'accord, ouais. D'accord. Non, mais je te dis, c'est pas question de capotes usagées ou quoi. Là, c'est question que c'est pas à moi, tu comprends? Et comment je peux savoir que c'est pas toi? Comment je peux savoir que c'est pas toi? Dis-moi, comment je sais pas, c'est quelqu'un qui a dû y mettre, mais. Ouais, d'accord. Y'a des petits cons qui s'amusent à mettre des trucs dans tes vestes comme ça. Des petits cons. Ouais, d'accord. J'invente tout, je suis complètement folle. Tu me bêtes des couilles, bah franchement, tu me dis quoi? Tu me dis, oui, bon, j'ai trouvé ça dans ta veste. Bon, écoute, moi je te dis que c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais pas avouer quelque chose que j'ai pas fait, c'est simple. Je vais pas avouer quelque chose que j'ai pas fait. Bah sinon, vaut mieux que tu me dises. Arrête, arrête, vite, et je vais te dire un truc. Vaut mieux que tu te calmes toi avec moi. Mais moi je vais te dire un truc, vaut mieux vite que tu te calmes.
Avec moi, mais si en fait, c'est à toi de te calmer. Vite que tu te calmes. Non, ça, là, c'est à toi de te calmer. Je suis désolé, c'est à toi de te calmer. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé, bah. T'es un gros porc. Vas-y, arrête. T'es un gros porc. T'es un gros porc. Arrête. Je te jure, arrête, parce que ça m'énerve. Alors, comment t'expliques que je trouve ça, ça, ça dans ta veste? Et déjà, la veste, elle est pas à moi. Tu vas la récupérer, c'est pas à moi, je te dis. Bah, vas-y, pète ton câble. Pète ton câble, là, avec ta vieille capote, là. Je sais pas qui c'est, mais jette-la. Jette non, là, c'est pas vrai moi. Que c'est à moi la capote. Ouais. J'aurais jamais laissé une capote j'aurais jamais laissé une capote dans ma veste. C'est simple. Ok. Tu comprends. Mais en fait, t'es un gros porc. Je comprends. Ça me Allez, pas, arrête. Hein. Vas-y, bouge de là. C'est bon. Tu me parles maintenant. C'est bon. Tu me pètes les couilles. Franchement, tu me pètes les couilles. Je te le dis. Voilà, on fait quoi là? Je fais quoi moi? Genre, je dois rien dire. C'est pas que tu dois rien dire, t'arrêtes avec ce genre de truc, t'arrêtes de me reprocher des trucs comme ça alors que c'est pas moi. Tiens, regarde, tu veux, j'ai mon téléphone, tiens, fouille. Vas-y, vas-y. Ah, mais c'est pas une preuve, ça, tu peux supprimer. Bah, ça, par contre, ça, tu peux pas supprimer. Ça. Ouais, tu peux pas supprimer. Ah, je te dis que c'est quelqu'un qui m'a mis dans ma veste, arrête, c'est toi qui me prends pour un bouffon. C'est pas possible. C'est toi qui me prends pour un bouffon là, avoue-le moi, Bab. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Arrête de rigoler. C'est un prank. C'est quoi un prank? C'est un prank. C'est quoi? C'est quoi? Ah, ça pue. C'est quoi un prank? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Arrête, Bam! C'est moi qui ai mis la capote dans ta veste. C'est moi qui ai mis la capote dans ta veste. C'est moi, rien. Mais là. Il y en a une autre. Il y en a même deux autres. De quoi? Deux autres de quoi? Là. Il y en a une dans la chambre. Putain, je te jure, ça m'a. Ça me pète les couilles. Je savais que c'était pas moi, tu vois. Je savais. Quand je t'avais dit, ah, ça me dégoûte, t'as cru que j'allais t'avouer un truc ou quoi, vous? Bah ouais. Ouais, c'est ça. Elle est où dans la chambre? Elle est où dans la chambre? Elle est planquée derrière le coussin. C'est vraiment une merde. Oh putain, quelle pute. Bon les potes, en tout cas si ce prank vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, tous hashtag capote dans les commentaires, je compte sur vous les gars. En tout cas sa réaction m'a pas mal plu, genre il a pas avoué non plus, mais il a pas trop pété un câble. En tout cas pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager cette vidéo, je compte sur vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, peace.